retour au Bling Blanc Guitare. Merci à vous les jeunes de l'harmonie. On a passé un bon moment. Maintenant, le bar va être ouvert, juste avant que l'harmonie s'installe pour la deuxième partie de la soirée. Vous pouvez rallumer la salle, s'il vous plaît. Ici aussi,
ça sent bon, ça sent. Oh, ça sent la montagne, ça. Ah, oh, ça y est, ça me revient. Dans la montagne, il y avait un chalet. Dans ce chalet, il y avait un grand-père et une grand-mère. Et quand il avait faim, le soir, le grand-père sortait du chalet et venait s'asseoir sur le vieux banc en pierre. Et il appuyait son vieux dos contre le soubassement de pierre chauffée par le soleil. La grand-mère sortait de la maison, elle venait s'asseoir à côté du grand-père. Et le grand-père posait sa vieille main de grand-père sur la cuisse de la grand-mère, la grand-mère sa vieille main de grand-mère sur la main de grand-père. Si vous comptez bien, il reste combien de mains? Oui, une pour la grand-mère, une pour le grand-père. C'est à ce moment-là que le chat arrivait, qui sautait sur les genoux de la grand-mère, sortait ses griffes, commençait à tourner en rond, et quand la grand-mère gratouillait le chat derrière les oreilles, il mettait en route son petit moteur à ronron. Et le grand-père, eh bien, il y avait le petit mouton qui venait glisser sa petite tête de petit mouton frisé sous la vieille main du grand-père. Et quand le grand-père gratouillait le petit mouton derrière les oreilles, lui caressait la tête, c'est sûr, hein? Si le petit mouton avait su ronronner, il l'aurait fait. Et une fois qu'ils étaient là, tous les quatre, le petit mouton, le grand-père, la grand-mère, le chat, le soleil, pouvaient se coucher. Était dans la cuisine. Elle avait un bol avec de la crème crue. Vous savez, la crème, on plante la cuillère dedans, elle tient toute seule, toute droite. Et le chat se frottait dans les jambes de la grand-mère. Non, cette crème-là, elle n'est pas pour toi. Elle est pour faire un gâteau pour le grand-père. Non, je te dis, c'est pas la peine de me regarder comme ça, c'est pas pour toi. La grand-mère connaissait le chat. Et pour être sûre, elle a posé le bol tout en haut de l'étagère. Et elle est allée à l'étage faire ce qu'elle avait à faire. Et le chat, ça ne faisait pas du tout ça au chat. Alors, il a sauté sur le tabouret, depuis le tabouret sur la table, depuis la table sur le niveau bas de l'étagère, depuis le niveau bas de l'étagère, et... plonger sa patte dans le bol et en mille morceaux, le bol par terre, la crème partout. Et le chat, lap, elle était tellement bonne la crème, ses moustaches se frisaient de plaisir. Bon, c'est pas parce que la grand-mère était vieille qu'elle était sourde. Elle a entendu, elle a descendu l'escalier, elle a vu le bol cassé, la crème, le chat. Espèce de elle a flanqué par la fenêtre. Vous inquiétez pas, on était au rez-de-chaussée, c'était pas beau, le chat était un chat, il est retombé sur ses quatre pattes. Mais il était vexé. Mais vexé. Je ne resterai pas une seconde de plus chez ces gens-là. Et il est parti. Il est parti en direction de la forêt. Son chemin passait devant le pré où il y avait le petit mouton. Et quand le petit mouton l'a vu, « Mais, puisque tu vas ? » Moi, je ne resterai pas une seconde de plus chez ces gens-là. Ils n'ont même pas voulu me donner la crème. Et puis à ta place, je ne resterai pas là non plus. Parce que tu sais pourquoi ils te donnent plein de choses à manger, hein? Eh bien, c'est pour te... Et puis pour te... Mais je ne veux pas, moi. Je t'aurais prévenu, hein. Moi, je m'en vais. Je ne reste pas une seconde de plus chez ces gens-là. Et le petit mouton, il est sorti de son pré, il ne peut pas se faire manger, lui. Alors, il a suivi le chat. Et le chat,
et partit droit en direction de la forêt. On y était déjà un peu allé, mais le mouton jamais. Et quand le mouton a vu ces grands arbres, sombres, d'un coup, lui sont remontées à la tête toutes les histoires qu'on raconte aux petits moutons, pour qu'ils ne se sauvent pas. Les histoires qui disent que dans la forêt, il y a des...
sont arrivés tout près. C'était pas une lumière de maison. C'était une lumière de feu de camp. Et là, le chat les a bien vus. Autour du feu de camp, ils étaient 12, très exactement. 12 loups assis sur leur derrière, avec la langue sur le côté, en train de baver parce qu'au milieu du feu, il y avait un seul petit oiseau qui tournait sur la broche. Et quand il a vu ça, le chat, il a dit, « Mouton, tiens, prends la tête de l'ouche et reste là, cache-toi derrière le buisson, d'accord ?» Et le chat s'est avancé. Bien le bonsoir, la compagnie. Et quand ils l'ont vu, les loups ont dit, ah, « Bien le bonsoir, approche. Je vois que vous vous apprêtiez à souper. Je peux m'inviter ?»« Ah oui, oui, approche. Non, mais attendez. Moi, je m'invite pas sans amener. J'ai amené de quoi ?» Ben, montre-toi. Montre-toi. Mon vieux, ce petit mouton tout frisé, tout mignon, tout. Non, attendez. Lui, c'est mon copain. Et copain, montre-leur ce qu'on a amené à manger. Sauf que, au moment de dormir, le chat, il a grimpé sur l'arbre, le mouton. Ma maman, elle m'a toujours dit, quand on veut, on peut. Des fois, ça marche. Et ben là, le petit mouton, il a tellement voulu qu'il a pourvu. Il a couru, hop, il est arrivé sur l'arbre et clap. Il s'est croché à la première branche du bas. Bon, d'accord, il avait les pattes qui pendouillaient d'un côté, les pattes de derrière de l'autre, mais enfin, c'était mieux que par terre. Bonne nuit, copain mouton. Bonne nuit, le chat. Bon. Pendant ce temps-là, les loups s'étaient retrouvés. Et les loups discutaient de ce chat et de ce mouton féroce. Qu'avez voulu les manger. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé
ballon, c'est parti, en direction du feu.
Mais vous fermez bien la porte à clé, vous n'ouvrez à personne, hein? Oui, maman! Oui, maman! Bon, la maman a préparé ses affaires, elle a préparé un petit peu de lit pour que les filles puissent manger, elle a mis son chapeau, elle est sortie, elle a bien écouté que les filles ferment bien la porte à clé. Et elle est partie. C'était bien d'être toute seule à la maison! Elles ont commencé à... Elles ont joué à cache-cache, elles ont joué à chat perché, elles ont joué à louche t'attrape, elles ont joué... C'était bien d'être toute seule à la maison. Puis bon, au bout d'un moment, il y en a une qui avait l'idée, elles ont pris de la paille de riz, et avec elles ont fabriqué des poupées. Tête, les bras, ce qu'il fallait pour les jambes, et après elles ont pris de jolis papiers qu'elles ont découpés, pliés pour en faire des habits. C'était bien d'être toute seule à la maison. Et ça faisait faim. Alors c'était le moment de manger. Elles ont fait la dînette avec les poupées. Elles ont pris des grandes baguettes. C'est comme ça qu'on mange en Chine. Un grain de riz pour toi. Un grain de riz pour moi. Un grain de riz pour toi. Un grain de riz pour moi. C'était bien d'être toute seule à la maison. Et après, elles ont joué encore un peu à cache-cache, mais c'était moins rigolo. Et... Ah, la grande, elle a eu une idée. Et elle a sorti des grandes feuilles de papier, des pinceaux, de l'encre. Et elles ont fait des dessins, et après elles ont écrit. En Chine, quand on écrit, c'est un peu comme si on dessinait. C'est drôlement joli. C'était bien d'être toute seule à la maison. Enfin, c'était un peu long. Surtout quand elles ne voyaient plus grand-chose. Alors, la plus grande des filles a allumé une chandelle. Puis la petite est allée regarder au carreau. Elle en met bien du temps, maman. Pourquoi elle n'est pas encore rentrée, maman? Hein? C'est à ce moment-là que... C'est maman? C'est maman? Maman? C'est toi? Enfin! Enfin! C'est votre mère. Viens vous rendre visite. Ouvrez-lui la porte. Grand-maman, c'est toi? T'étais pas malade? Enfin, c'est votre mère grand qui vient vous rendre visite. Ouvrez cette porte. Mais t'as pas vu notre maman? Elle est venue te voir avec des médicaments et des fruits de vie. Non, je l'ai pas vue. On a dû prendre un autre chemin. Et c'est pas votre mère grand. Là, hein? Non mais, t'as une drôle de voix. Tu parles pas comme ça d'habitude. C'est la poussière du chemin qui m'a gratté la gorge. Enfin, ouvrez cette porte. Vous allez quand même pas laisser votre mère grand dehors. Alors les filles se sont regardées. Elles ont ouvert la porte. Et la mère grand est entrée. Elle est arrivée près de la chandelle. Et... Non, mais c'était bizarre. Hein? Grand-mère, elle ne faisait jamais ça d'habitude. Grand-maman, pourquoi t'as éteint la lumière? Enfant, c'est le soleil qui me fait mal aux yeux. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Venez. Alors, vous venez? C'était bizarre. Alors la plus grande, au moment d'aller dans le lit, elle a pris une petite boîte d'allumettes qu'elle a serrée là, dans ses mains. Et elles se sont couchées. Mais quatre dans le lit, c'était serré. Et au bout d'un moment, la grande, elle a touché la grand-mère. Elle a senti quelque chose de tout poilu. Oh, grand-maman, on dirait que t'as des poils. Que tu as senti, c'est les toupes que j'ai apportées pour en faire des ficelles et de la corde. Ah! Et à nouveau, on l'a poussée la plus grande contre la grand-mère et... Aïe!
On dirait que t'as des griffes. Tu m'as fait mal. Enfant, c'est pas des griffes que tu as senties. Ta mère grand a apporté des aiguilles pour coudre quand elle aura fini de filer les toupes. Mais quand même, du côté là, on entendait...
Mais vous imaginez, 12 enfants à qui il faut donner à manger, 12 enfants qu'il faut nourrir, 12 enfants qu'il faut aimer, 12 enfants que des fois il faut gronder un petit peu, 12 enfants à qui il faut faire attention, 12 enfants, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ce qui fait que le bûcheron travaillait beaucoup et sa femme travaillait beaucoup aussi. Et cet hiver-là a été froid. La femme du bûcheron était très fatiguée. Un soir, elle a dit, je vais me coucher. Quand on a appelé le docteur, c'était trop tard. Le plus petit des garçons, il n'a pas compris. Il n'a pas compris pourquoi sa maman, dans le lit, elle ne répondait pas. Pourquoi on a creusé un trou dehors dans la maison? Pourquoi on l'a couché dedans? Pourquoi son père pleurait quand on a rebouché le trou? Pourquoi il a dit, je te promets, nos 12 gars, je les élèverai, je saurai m'en occuper, je te le promets. Ouais. Mais tout seul, c'était pas facile. Il a eu beau essayer, mais il n'y arrivait pas. Et un soir, il a regardé ses 12 petits gars et il leur a dit, faites votre baluchon. Demain, vous viendrez avec moi et je vous placerai pour une année en apprentissage, chacun dans un village. Et moi, j'irai travailler à l'usine pour gagner de l'argent. Et au bout d'une année, on se retrouvera tous ici. Et ça y est, on pourra continuer notre vie ensemble. Ils ont préparé leur petit baluchon. Et le lendemain matin, le bûcheron est parti avec ses 12 garçons. Il est parti avec ses 12 garçons et il les a emmenés de village en village pour les placer en apprentissage. Et le premier, il l'a placé chez un forgeron pour apprendre le métier. Le second, il l'a placé chez un menuisier pour apprendre à travailler le bois. Le troisième, chez un sabotier. Et comme ça, de village en village, il a semé ses enfants comme des graines que l'on jette au vent. Enfin, sauf le 12e. Parce que le 12e, il était trop petit, personne n'en a voulu. Et comme il rentrait à la maison, Bûcheron voyait bien que le petit, il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre, quoi. Il était tellement fatigué. Ils se sont arrêtés au milieu de la forêt, le bûcheron a enlevé sa grande veste et il l'a posée par terre. Le petit s'est couché dedans, ça lui faisait comme un matelas, comme une couverture. Et bûcheron, assis à côté, regardait le petit. Bûcheron a entendu. Laisse-le. Laisse-le ici. C'était la voix de la forêt. Il la connaissait, Bûcheron, la voix de la forêt. Laisse-le. Laisse-le ici. Au départ, il n'a pas voulu entendre, il n'a pas voulu écouter. Laisse-le. Laisse-le ici. On va s'en occuper. Et puis d'un coup, il s'est levé, il a embrassé son petit sur le front et sans se retourner, presque en courant, il est parti. Et bien, c'est rien passé.
En rapport aussi, le loup est sorti du buisson. Et c'était un loup tout blanc. Et le loup s'est assis à côté du petit garçon. Quand le petit garçon a regardé, il a vu le loup, tranquillement. Ils se sont regardés un moment et le petit a osé tendre sa main au loup blanc. Le loup l'a flairé. Et le loup s'est levé et c'était comme s'il attendait le petit garçon. Comme s'il lui disait, viens avec moi, viens. Ben c'est ce qu'il a fait, le petit garçon. Il s'est levé, il a suivi le loup. Comme ça, tranquille, ils ont marché un bon moment. Et puis, le loup a... Alors, le petit garçon fait pareil. Et du coup, quand le grand vilain monstre noir arrivait tout près, petit Paul se
qui gonflait, enflait, qui voulait emmener petit Paul. Et dans ces cas-là, Paul se penche à son lit. Où loup gris vient me défendre contre le grand vilain monstre du tapis. Et le loup gris sortait de dessous le lit. Et le tapis. Passait pour s'assurer que tout allait bien et qu'elle voyait tout
famille, protège-toi. Yeah.
pas fière allure. L'été, je ne guérissais pas. Je suis niquée la fortune. Elle s'est moquée de moi. Thank you.
Normalement, c'est bon.
breaking in a shaking up, a changing up, a changing up like a bird. This is the end of the night. Whoa, waking up, I feel it in my body. Enough to make my sleep flow. Waking to the new day, to the new day. Waking to the new day. Yeah.
Petite mascotte est une petite pieuse. Elle habite en Rulantica, à côté de Roupapa. Ses amis sont les souris de Roupapa.
sais, mon vieux Joseph, que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie. Bonheur apporté, j'espère que tu vas.
as conservé ta gentillesse, ton franc parler. Merci petit rayon de soleil, petite fille au goût de miel. Merci petit rayon de soleil, petite fille au goût de miel. Cette petite chanson, elle est pour ma chienne, car elle est montée là-haut vers le ciel. C'est un brac allemand qui s'appelait Cannelle. Elle était gentille et moi je pense à thank you.
derniers instants avec ceux qui me sont importants. Les années m'ont rendu plus sage, mais j'avoue que je crains mon âge. Je n'ai jamais été un grand homme, ni vraiment utile à personne. J'ai toujours causé des ennuis, mais je veux pas qu'on m'oublie. Plus le temps passe, plus je vieillis. Je me rends compte, ma vie est finie. Je n'ai plus rien à voir de cette vie, plus rien à voir.
Thank you.
Thank you.
majeur, index. Position. Cinquième case. Quatrième case. Deuxième case. Hop. Et l'accord ici. Avec arpège. Changement.